Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la France s'apprête à voir une femme à sa tête. Que la France s'apprête à voir une femme à sa tête. Je vois à la dernière minute comme un chamboulement au niveau du scrutin présidentiel. Je répète, je vois comme un chamboulement au niveau du scrutin présidentiel là-bas. Et je vois une femme. Le chamboulement que je suis en train de voir, des gens étaient désireux de porter quelqu'un d'autre. Mais je vois une femme dans mon esprit. Dieu me parle du nettoyage de l'église qui va s'intensifier. Le nettoyage de l'église va encore continuer. Je répète, le nettoyage de l'église va continuer de plus belle et amplement même. Il y aura un grand nettoyage dans l'église en Côte d'Ivoire, dans l'église dans les nations. Un grand nettoyage. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient partis hors du plan de Dieu vont revenir dans le plan de Dieu. Beaucoup vont revenir dans le plan de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Le groupe musical, accompagnez-moi. Priez pour les gens qui sont en Europe. Priez pour l'Europe. Priez pour les États-Unis. Je viens de dire quoi? Prions pour l'Europe. Prions pour les États-Unis. Les gens vont durcir les mesures restrictives. Prions pour nos frères, nos sœurs qui sont là-bas. Prions parce que les gens vont encore durcir certaines choses, en fait. Et ce que je suis en train de dire, regardez, je vois la fermeture des stades. Je répète, je vois la fermeture des stades. Je vois la fermeture des stades. Je ne sais pas pourquoi. On veut nous faire accepter certaines choses et je vois la fermeture des stades. Ça va perturber un peu les différentes coupes, à savoir, comment vous appelez ça? Hein? Oui, je vois beaucoup de perturbations à cause de la fermeture des stades.